sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo du mois de décembre. Bienvenue dans les Mimi's Christmas, si c'est la première année parmi nous. J'espère que ce mois va vous enchanter et que je pourrai vous transmettre un petit peu ma passion pour ce mois un peu particulier qu'est le mois de décembre, puisque je suis une Mimi extrêmement noélique. Un mois de décembre dans lequel je vous propose donc 3 vidéos par semaine au lieu de 2 vidéos par semaine. On va se retrouver donc chaque dimanche, chaque mercredi et chaque vendredi pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu hybride, un Get Ready With dans lequel je vais me maquiller avec vous. On va tester quelques petits produits et ensuite je vous emmène avec moi à travers cette journée. Petite vidéo entre guillemets hybride entre mes histoires de Noël et mes vidéos beauté. J'espère en tout cas que ce format va vous plaire. Je me suis dit allez, jouons aux apprentis sorciers, testons un format et voyons ce que ça va donner. Donc j'espère que vous pourrez me donner votre feedback dans les commentaires de cette vidéo. On est à mon bureau, on va se préparer en premier. J'ai craqué sur un certain nombre de choses pendant les soldes Black Friday. Entre autres sur des collections des fêtes de Noël de chez MAC parce qu'il y avait moins 30% sur le site et en boutique, évidemment, j'ai craqué. Et surtout, regardez ça, ma commande Odin's Eyes est enfin arrivée. Ça a mis pratiquement un mois à arriver. C'est trop cute, ça vient avec des petits porte-clés de Noël. Oh, regardez ça. Regardez l'embossage à l'intérieur des fards, c'est juste magnifique. Bon, on passe à l'autre caméra parce que là, j'ai envie de tester tout ça. Nous sommes avec la caméra principale et ça va être un peu plus sympathique pour que vous voyez un peu le résultat de tous ces produits. Je suis en train de me mettre un peu de Charlotte Magic Cream sur mon visage, sur mes joues parce que j'ai la peau hyper, hyper sèche. Fond de teint Hourglass en teinte numéro 5. Contour, je vais utiliser ma palette Artiste créée par Cynthia Dulude avec l'ABC du maquillage. Et je vais prélever la teinte qui est juste ici. Anti-cerne. Il y a eu un accident pendant mon déplacement à Montréal. Mon anti-cerne Huda Beauty a littéralement explosé. Mais franchement, il y en a partout. Je ne comprends pas. C'est la couleur Vanilla Swirl que j'utilise. Hop, hop. Et ça coule de partout. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Franchement, je comprends pas ce qui s'est passé. Je vous ai dit que je mélangeais mon anti-cerne de chez Huda Beauty avec mon anti-cerne de chez Rimmel. Je vous l'ai dit. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Ça permet en fait de le rendre un peu plus hydratant parce que il est très très mat et donc peut avoir tendance à marquer un petit peu le contour de l'œil, surtout les jours où il fait très sec. Mais j'adore la couvrance de cet anti-cerne. Ma petite astuce pour que mon anti-cerne se place parfaitement, c'est de venir tapoter mon contour de l'œil avec mon doigt. Ça retire l'excédent d'anti-cerne, pour information. Illuminateur, je vais mettre une petite touche de mon illuminateur de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 3. Je trouve que c'est là où on a le meilleur rendu. C'est pas un produit que j'estomperais au pinceau par exemple. Juste pour donner petite touche de lumière en plus. Passons au vif du sujet et à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les fameuses palettes Odin Eyes. Alors, c'est les palettes qui sont sorties en édition limitée pour Noël. Et vous êtes nombreux à avoir mis la main dessus quand elles étaient disponibles. Première impression donc sur la marque Odin's Eyes. Je sens que ça va être une longue histoire d'amour entre cette marque et moi. Il y a 2 palettes qui sont sorties pour les fêtes de Noël que j'ai achetées et qui ont mis presque un mois à arriver. Je n'ai pas eu de frais de douane pour information, plusieurs me demandaient. Finalement, j'ai pas eu de frais de douane. Attendez, est-ce que j'ai eu des frais de douane? Non, j'ai pas eu de frais de douane, il me semble. Il y a 2 palettes, donc une palette qui est plus dans les tons un petit peu plus chauds, c'est la palette Merry Christmas. Et la palette Christmas Eve, vous pouviez acheter l'une ou l'autre ou les deux, j'ai acheté les deux. Voilà, tout simplement.
Christmas Eve qui est plus dans des tons froids avec des taupes, il y a du violet, du bleu. Et d'ailleurs, ces palettes-là me font vraiment penser à la Reine des Neiges. Ça aurait pu être la palette de Elsa et la palette de Anna. Je vais jouer avec la palette Merry Christmas. Ce que je remarque déjà en swatchant quelques couleurs, c'est ultra pigmenté. Certaines personnes d'entre vous me disaient, Mimi, je trouve qu'il manque de couleurs de transition. Je vous l'accorde, il n'y a pas beaucoup de teintes de transition, mais de manière générale, ne vous inquiétez pas si ça arrive, puisque vous avez toujours une couleur de transition parfaite que vous pouvez utiliser, c'est votre bronzer. Bronzer est généralement une couleur de transition parfaite. Palette Merry Christmas de chez Odden Eyes avec le pinceau numéro 01 de chez Reffer et la couleur Hot Cocoa qui est juste ici. Je vais appliquer ça en angle externe de mon regard. Je mets zéro pression parce que comme je vous l'ai dit, c'est très pigmenté. C'est un marron bordeaux. Très jolie couleur. Et je vais venir estomper cette couleur, parce que sinon j'aurais vraiment eu trop de pigments. Donc j'ai retiré l'excédent et là j'estompe dans le creux de paupière pour me faire justement une couleur qui va devenir ma couleur de transition. Pinceau propre de chez Reffer, le numéro 16, c'est mon pinceau à estomper préféré. Et je viens estomper cette couleur vers le sourcil. Vraiment, je l'étire complètement. Allez-y très doucement. Pour venir construire la couleur, je reprends mon pinceau Reffer numéro 01 et je reprends mon pinceau de Reffer numéro 01 qui est propre et je viens estomper. En gros, je prends mon temps pour construire ma couleur. Pinceau 221 de chez MAC et la teinte Gingerbread. Cette couleur-ci, je vais venir l'appliquer en angle interne de mon regard. Je reprends mon pinceau numéro 16 de chez Reffer. J'ai essuyé les poils du pinceau donc dans ma serviette de microfibre pour retirer les pigments et je viens estomper. Quand vous travaillez des fards qui sont très pigmentés, il vous faut un pinceau propre pour venir estomper le fard. Ne venez pas estomper directement avec le pinceau que vous avez utilisé, vous risqueriez de vous faire des taches. Venez plutôt construire la couleur avec ce pinceau-là et estomper avec un pinceau propre, ça va donner une couleur plus diffuse. Pinceau Spectrum numéro 17, et je vais prendre la couleur Gingerbread que j'ai appliquée en angle interne de mon regard. Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Pinceau Reffer numéro 28 et la couleur Bless. Couleur que je vais appliquer en angle externe de mon regard. Avec mon petit doigt, je prélève la teinte Little Star. C'est un doré avec des sous-tons, bah justement des sous-tons violets à l'intérieur. Magnifique. Et je vais venir l'estomper par-dessus le fard au centre de ma paupière. Petit pinceau crayon très précis numéro 23 de chez Reffer et la couleur qui est juste ici qui s'appelle Santa Star qui est un doré. Excusez-moi, je reçois des messages. Aujourd'hui, c'est les 3 ans de ma petite nièce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans de ça sur cette chaîne, dans une de mes histoires de Noël, je vous disais que ma petite sœur était en train d'accoucher et aujourd'hui, ma petite nièce a 3 ans. Ceci est une palette de peinture. J'en ai toujours une à portée de main. Je vais utiliser le mixeur, le Master Metal Manipulators de chez Makeup by Mario. Et je vais aller prélever un petit peu de cette couleur Santa. Je vais mélanger les deux et ça va me faire un fard un peu plus style eyeliner en fait. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer cette teinte-là en angle interne et ramener la teinte ici dans le creux de paupière. Je sens que je me suis emballée. Je reprends la teinte Hot Coco avec mon pinceau Reffer numéro 03 et j'applique cette teinte là en angle externe, vraiment juste pour faire le lien entre l'angle externe du haut et en bas. Je me rends compte qu'il y a un noir dans la palette. Je vais aller prendre mon petit pinceau de Shiseido. Ne me demandez pas le nom. Je vous l'ai dit dans les favoris du mois. Et je vais prélever le noir qui est juste ici. Et je vais étamper ça en ras de cils. Wow! Ce noir est incroyable. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le noir est ultra intense. J'ai eu zéro
Chut. Très très contente de ma découverte. Je vais mettre mon mascara et je reviens pour qu'on teste ces fameux rouges à lèvres. Résultat des courses, je suis vraiment impressionnée par les fards de cette palette. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre de Prisme Libre de chez Givenchy. Et j'utilise aussi ma super puff 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 de chez LH Cosmetics. Je vais rapidement me mettre un petit peu de bronzer avec mon bronzer de chez Makeup by Mario. La teinte, c'est le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium que j'applique avec mon pinceau. C'est un pinceau quoi ça? Un pinceau Real Technique. J'ai un illuminateur de chez MAC qui va, je pense, être parfait pour aller dans les teintes que j'ai sur les yeux. C'est l'illuminateur Extra Dimension, donc, qui est sorti en édition limitée pour Noël, le Wrapped in Gold. C'est un doré avec des sous-tons rose gold hyper hyper joli que j'ai déjà utilisé pour information sur toute ma paupière mobile. Ça fait véritablement un effet mais magnifique, trop trop beau. Et comme tous les extra dimensions, il faut savoir que plus vous le chauffez, plus le gel en fait qui est à l'intérieur se fond dans la peau et ça fait vraiment un effet complètement seconde peau. Je vais l'appliquer donc avec mon pinceau 240S de chez MAC et je vais venir l'appliquer ici sur le haut de ma pommette. C'est vraiment un illuminateur un illuminateur de fête, c'est pas une couleur traditionnelle. À l'intérieur, il y a du rose gold, il y a du doré, il y a un petit sous-ton légèrement violet mauve, hein, comme ce que je porte sur mon regard. Et comme je vous l'ai dit, pour que cet illuminateur vraiment se fonde dans la peau, vous devez le frotter. D'ailleurs, vous vous demandez, Mimi, mais qu'est-ce que s'est passé ? J'avais froid, je suis remontée. Je me suis dit, si je remets mon pull en laine de ce matin, j'aurai trop chaud. Cherchons une alternative entre le pull de laine et le débardeur. J'ai quand même moins 14 ce matin dehors. Donc finalement, j'ai mis un sweat. Et sachez que je suis une grande indécise. Alors, passons aux lèvres maintenant. Je vous aime d'amour. Je ne vous ai pas encore testé, mais je vous aime d'amour. Donc une édition limitée, dedans à l'intérieur on retrouve certaines des couleurs qui sont des best-sellers de la marque, mais aussi on retrouve beaucoup de couleurs qui sont des éditions limitées. Je vais vous swatcher quelques couleurs déjà sur ma main juste pour qu'on puisse voir un peu l'étendue de ces magnifiques petits rouges à lèvres. Ce sont des powder kiss, je trouve que tout est joli, le packaging qui reprend la couleur du rouge à lèvres, cette teinte là, un mocha avec un petit sous-ton ton épicé qui s'appelle la couleur Toasted. Mull It Over, qui est une couleur que l'on retrouve dans la collection d'habitude chez MAC. Donc ça, c'est pas une édition limitée. Up With A Twist. Encore plus citrouillé, un marron avec à l'intérieur des sous-tons vraiment plus citrouillé. Donc Up With A Twist. À l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a vraiment une déclinaison de couleurs. On part des nudes marronnés, on part vers les rouges orangés, les roses, les mauves. Je vais mélanger deux teintes, la Ready To Burst et la Toasted. Ça, c'est la couleur Toasted. Je voulais un nude, mais un nude qui tire un peu plus vers le mauve. Donc, je vais aller prendre la couleur Ready to Burst, qui est cette teinte ici, si je ne me trompe pas. Je vais appliquer la teinte par-dessus. Et donc, me créer ma couleur idéale pour la journée. Sur mes joues, je vais réutiliser cette teinte-là. Pinceau duo fibre de chez Spectrum et Cathy Jane's Hughes numéro 03 et je vais appliquer ça sur mes joues. Je prélève la teinte sur le pinceau et je l'applique sur mes joues. Vous pouvez faire ça avec tous les powder kiss, avec les rouges à lèvres mat, généralement ça se fait super bien. Les rouges à lèvres peuvent être utilisés de mille manières. Le maquillage est créé pour s'amuser et pas pour rester dans des cases. Bon,
Ce kit pour les lèvres est magnifique. Les teintes à l'intérieur sont top. C'est des couleurs qu'on peut porter tous les jours, mis à part peut-être le mauve violet qui est hyper foncé, mais certaines personnes adorent ce type de couleur-là. Toutes les autres teintes, sérieusement, sont des teintes que je vais porter. La texture est magnifique. Et ce que j'aime surtout avec les powder kits, c'est que vous pouvez les mélanger, vous pouvez vous amuser. C'est des formules très très faciles à travailler. Je les ai utilisées en blush, vous pouvez les utiliser sur les lèvres, vous pouvez les utiliser sur les yeux en fard à paupières pour un matin pressé par exemple. Un excellent basique et franchement ça fait un magnifique cadeau de Noël à mettre sous le sapin ou dans une chaussette de Noël par exemple. Voilà, maquillage terminé, je suis super excitée par les palettes Odense Eyes que j'ai testées aujourd'hui. Je les trouve absolument magnifiques, je suis allée sur le site, les palettes sont sold out mais... Je vous ai trouvé une palette qui est aussi disponible chez Odense Eyes qui s'appelle la Alva palette qui vous permet de reproduire le maquillage que j'ai sur les yeux aujourd'hui. C'est exactement le même type de maquillage. Vous pourriez utiliser aussi la Sunrise palette de Natasha Denona qui a donc ses bordeaux, ses violets et ses jaunes moutardes à l'intérieur. Vous pourriez reproduire à peu près le même type de maquillage que ce que j'ai fait aujourd'hui. Les effets pailletés en moins puisque Natasha Denona n'a pas ces effets-là. Et dans les petits prix, si jamais vous aviez dans vos tiroirs la palette Colourpop et la Reine des Neiges, la version Anna, je vais vous la mettre ici à l'écran, vous pourriez aussi reproduire ce type de maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je voulais vous donner d'autres possibilités, mais comme je vous l'ai toujours dit, dans les maquillages que je crée, c'est des... Mon but premier, c'est de vous donner des inspirations pour jouer avec vos palettes. On let's go, on monte en haut et on continue cette journée. Début d'après-midi, je vais ouvrir quelques boîtes avec vous et le facteur vient de passer à l'instant. Donc je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu ce qu'il y avait dans ce colis que j'ai reçu. Et puis j'avais gardé d'autres boîtes, d'autres colis. On va ouvrir ça ensemble. Racine bouclée, je vous en ai déjà parlé, c'est de là d'où viennent mes fameuses tuques, mes bonnets en français, tuques en québécois. Et elle m'a envoyé deux produits. Un premier produit qui est un après-shampoing de la marque Cut by Fred et qui est un après-shampoing spécialement fait pour les cheveux blonds, donc anti-jaunissement. Elle m'a dit que c'était un après-shampoing qui était super apprécié, qui n'était pas trop lourd, donc parfait pour mes cheveux. Et... une de ces nouvelles couleurs de bonnet. Trop cool! Chaque année, l'année dernière, elle a sorti ça, ces bonnets-là, qui sont des bonnets en fait en cachemire doublé satin. Donc, parfait pour l'hiver, ultra chaud. Les cheveux restent en place, pas de cheveux en bataille quand on retire le bonnet. Et pas de cheveux statiques, parce que moi, je suis la spécialiste des cheveux statiques en hiver. Et avec ça... zéro problème et c'est de loin le bonnet le plus chaud et le plus doux que j'ai. J'en ai un gris, j'en ai un noir, j'en ai un bordeaux et maintenant j'en ai un bleu et elle m'avait écrit sur Insta en me disant Mimi cette couleur me fait vraiment penser à toi, tu vas l'adorer et sérieusement j'aime vraiment beaucoup, c'est un très très joli bleu mais c'est un bleu grisé, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux participer à mon unboxing doudou? Coffret contrôle de la peau à tendance acnéique. C'est ni pour toi ni pour moi, mais c'est une, c'est un des coffrets des fêtes de chez SkinCeuticals. Oh, la boîte est super jolie. Et on a un Prevent SkinCeuticals Silymarin. C'est de la vitamine C. Il y avait ça aussi à l'intérieur et ça c'est génial, c'est les fameux globes, vous savez, cryo facial globes, vous les mettez dans le frigidaire et ça vient dépuffer. Désenfler votre visage le matin. Le Blemish Edge Defense qui est un sérum spécialisé pour les peaux matures et acnéiques. Anti-âge. Oui, c'est une des seules marques que je connaisse, SkinCeuticals, qui fasse une gamme pour les peaux matures à problème d'acné, qui aurait une peau grasse et qui ferait de l'acné ou de l'acné hormonale. Ce produit-là, je l'ai déjà utilisé au moment où j'avais beaucoup, beaucoup d'acné. Je le mettais sur mon menton, etc. Mais là, maintenant, ma peau est sèche. Donc, et l'écran solaire. Qui est un de mes écrans solaires préférés. Alors, on a reçu. Tu as reçu un Laura et Mercier. Laura Mercier, c'est la marque. Un paquet cadeau, Laura Mercier. Donc, de Paris à New York, c'est The Wish List Set. C'est les coffrets cadeaux Laura Mercier. À l'intérieur, on retrouve un primer sans silicone, une petite poudre Laura Mercier et un petit crayon caviar stick. En teinte rose gold. Le Flawless Encounter. C'est
un kit avec à l'intérieur la poudre fixante. Doris nous fait la présentation. Ça vient avec une puff. Et voilà, dans le colis, il y avait cet énorme coffret qui est un coffret Allemande Coconut Collection. Donc une collection pour le corps. Je savais pas du tout que Laura Mercier faisait des produits pour le corps. Vas-y, étale. Elle sent bon, elle sent l'amande. Ça sent l'amande. Ouais, ça sent bon. Ren m'a envoyé les kits coffrets cadeaux de Noël. Il y a deux coffrets. Le premier, c'est le Celebrate Your Skin Set. À l'intérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez et des formats voyage de luxe et des formats complets. On retrouve dedans donc, le nettoyant Ever Calm, qui est un de mes nettoyants préférés. Il y a aussi un Ready Steady Glow pour, donc c'est ça le Ready Steady Glow, pour venir exfolier la peau. Et évidemment, la crème Ever Calm. Il y a quoi aussi? Un soin éclat contour des yeux. Le fameux soin contour des yeux de chez Ren que j'aime tant. Bon, je vous parle de ça tout de suite, parce que ça, c'est trop mignon. Trop mignon. Yes, Style m'a envoyé une boîte Merry Christmas. Regardez comme elle est belle. Dedans, il y avait justement cette... Il y avait ça. Ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme. Et on a fait cette année, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, on a fait un bar à chocolat cette année. Et c'est trop mignon. Et je me suis dit, mais il m'en faut d'autres. Donc, il y avait ça. Il y a aussi... Alors... De bave d'escargot. 880... C'est ça. Contain Black Snail Secretion Extract Water. I'm not sure. Je suis pas certaine. Donc là, j'ai un nettoyant rafraîchissant de la marque Beauty by Joséon. Beauty by Joséon, c'est la marque qui vend mon sérum calmant, apaisant préféré. Je vous le laisserai en barre d'informations. Donc, il y a un sérum aussi de la marque Purito. Un sérum apaisant, marque que j'adore, Purito aussi. Extrêmement apaisante. Beauty by Joséon et Purito sont mes deux marques préférées sur le site YesStyle. Well, merci YesStyle. Dernière boîte. Diptyque a eu la gentillesse de m'envoyer un coffret de Noël. C'est très belles bougies. C'est des bougies super belles. Ça sent Elles sentent bon. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ça sent le propre, exact. Mimosa, dans le set de Noël. Regardez ça. Vient avec une petite... Ça vient avec ceci. Ça se présente comme ça. Et en fait, avec la chaleur de la bougie, ça va faire tourner les hélices du petit carrousel et ça fait de la lumière dorée qui tourne comme ça dans la pièce. C'est trop joli. Le carrousel va être à gagner, les amis. Mais pas dans cette vidéo. Pas dans cette vidéo, Driss a dit. D'ailleurs, si on faisait un giveaway, puisque c'est la première vidéo de Mimi's Christmas... Donc ça va être le 1er décembre ou le 2 décembre, donc c'est bon, hein, on y est. On est lancé. Ok, vous restez là, je vais chercher ça. Donc voilà, en même temps que je vous parle, je vous montre les images du premier giveaway qui sera à tirer. Donc, vous avez à l'intérieur une palette Anastasia qui est la palette nouveau. Anastasia, quand j'ai acheté ma palette le printemps dernier, j'ai su tout de suite que je l'aimerais et... Je vous en ai acheté une deuxième rien que pour vous. Dans le giveaway, vous avez un fixe plus, entre autres, vous avez une poudre libre Laura Mercier. Il y a aussi un gel crème éclat quotidien de chez Ren à la vitamine C. Ma fameuse crème base de maquillage de Charlotte Tilbury. Une crème contour des yeux de chez Glam Glow qui hydrate et défatigue le contour des yeux. Un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly's. Vous avez aussi des petites choses comme ça de chez Not Beauty. Donc c'est un premier giveaway avec des petits produits que vous avez mis de côté tout au long de l'année. Vous avez 48 heures pour participer à ce giveaway, donc la vidéo sort vendredi soir, donc vous avez jusqu'à dimanche soir pour participer au giveaway. Dimanche soir, je tirerai au hasard parmi les commentaires une des personnes qui aura participé. Donc pour participer, il nous faut un mot de passe, les amis. Le mot de passe de ce giveaway est... Poisson. Poisson ? Pour celui-là, pour ce giveaway, okay. Poisson. C'est un giveaway Driss, hein. Ah. Le mot de passe est poisson. Vous pouvez me faire n'importe quelle phrase avec le mot poisson dans les commentaires. N'écrivez pas juste poisson, point. Écrivez-moi une phrase avec le mot poisson. On va augmenter un petit peu le challenge de ce giveaway. Le giveaway est ouvert à l'international et pour participer, il me faut en fait que vous me laissiez ou votre adresse email ou votre tout simplement votre nom Instagram.
Je tirerai au sort une personne au bout de 48 heures et cette personne sera contactée donc via son email ou via son profil Instagram. Donc bonne chance pour ce giveaway à tous. Vous avez donc 48 heures et l'ensemble des informations pour participer est en barre d'infos, juste en dessous. Juste à... The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Mon Dieu, je suis toute rouge à cause des phares de la voiture de demain. Que vous dire les amis, il fait nuit. Et on dirait vraiment que je suis en train de faire un projet Blair Witch avec la caméra. Si quelqu'un retrouve cette caméra. Nous étions perdus dans la ville de Québec. Nous sommes allés récupérer ma fille et on va aller essayer de voir si on peut trouver calendrier de l'Avent chocolat favori. Wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. La musique, c'est chocolat favori. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here, now it is time. Get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing. Est-ce que tu peux nous donner le détail de ce que c'est? Ah, c'est une éclatée, une petite éclatée. Une petite éclatée, biscuit à la crème. Ouais. Oui, en gros. Ouais. Et il y a plein de super jolies idées de cadeaux. Et moi, j'ai mon calendrier de l'Avent chocolat, comme quand j'étais petite. En plus, c'est génial parce que dedans, vous avez 4 bouchées par jour, donc on va pouvoir le partager en famille. Après le réconfort, l'effort. C'est la journée où on fait notre sport. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Je suis fatiguée, hein, mon cœur. Oui, je suis fatiguée. Ça va pas, hein. On s'est donné un challenge pour le mois de décembre. On s'engage avec vous ici dans cette vidéo. Tout au long du mois de décembre, on va reprendre notre sport every day. Donc tous les jours, ce que j'appelle everyday move. On bouge chaque jour. On l'avait déjà fait pendant 3 mois de suite, pendant le confinement. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la laisserai ici en bas de l'information si vous ne l'avez pas vu. Mais là, on s'est dit qu'on va reprendre ce même challenge pour un mois, pendant le mois de décembre, parce que le mois de décembre est un mois intense et en même temps, c'est un mois aussi où on mange beaucoup. Et on sort beaucoup et on est souvent invité et donc notre corps en pâtit. On va essayer de gérer ça différemment ce mois-ci et ça va nous demander un peu de régularité. Donc on s'est dit, on se fait ce petit challenge-là. On vous filmera ça et on vous fera bien évidemment un compte-rendu au mois de janvier pour vous raconter tout ça et vous dire comment on a vécu ça et quels sont les bénéfices qu'on a pu en tirer ou pas par rapport aux autres mois de décembre. Est-ce qu'on a vu une différence en faisant ça? Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Merci d'être resté avec moi dans cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager, à me laisser un petit pouce, à me laisser des petits commentaires. Et puis, bien évidemment, si vous le souhaitez, participer au giveaway. Je dis ça, je dis rien. Mais vous avez encore 48 heures pour y participer. Et on se retrouve dimanche matin pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao !